Dimanche, gars d'été, c'est un rose ou en violet.
Aspect of jasmine, domine, isolare muda, avarice, Secundum et misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, Spiritu Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Aspere Jesu, Domine, Seigneur, vous amenez miséricordiam tuam. Et salutare tuam. Vous amenez exaudurationem meiam. Et calorem satereniam. Dominus fabiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudinus domine sancte pater impotens et benedeus. Et mitte dinieri sancte mangium tuam decenis. Qui custodiat, proveat, protegat, visitat, que defendat. Omnes habitantes de habitaculo, et Christum damnem nostrum. Amen. Voilà, chers fidèles, ce dimanche de Gaudete, d'été, le troisième dimanche de l'Avent, et la couleur est rose, si c'est possible, pour montrer qu'on est mi-chemin, c'est pour montrer un certain joie, c'est moins sévère que le violet, qu'on est mi-chemin pour Noël. Gloria Patri et Filio et Spiritu
Il vous plaît, Corbière, ta Marie, Saint Père, Vigine, Berthe, Miguel, Margane, Dumbéa, Zemion, Yonne, Baptiste, Sainte, Vos, Spé, de Melkor, l'homme, Nessa, Sainte, de Vos, Fertes, Ora, le premier, de Melon, Dieu, Nestor. Isaïe, peut-être, Seigneur, Saint Père, de Suisse, Père, de Vitamine. Amen. Confiore, le potentiel, Père, de Marie, Saint Père, Gine, Berthe, Miguel, Arcangel, le premier, de Baptiste, Sainte, Vos, Spé, de Melkor, le premier, de Saint-Tissé, de Gilbert. Que Pécabinimus, que je t'assure, de votre cœur, que je t'assure, de votre cœur, que je t'assure, de votre cœur. Il est prié par la Marie, Saint-Père, la Génie, Bête, Michel, Archange, Jérôme, Bête, Marie, Baptiste, Saint-Père, 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 Gaudete Domino Semper, itram dico gaudete, modestia vesta notas et omnibus hominibus, Dominus enim prope est. Nicil solicitis, set in omni operatione, et petitiones veste e notas cantabo Deum. Benixisti Domine teram quam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper, itrium dico gaudete, modestia vesta nota sit omnibus, hominibus, Dominus enim propri est. Nic il solicitis sitis, sed in omni oratione per petitiones vesti notes cantabo Deo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe. Et mentis nostre tenebras, grazia tua visitationes illustra, qui vivit in nos cum Deo Patri et ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christi Beati Pauli Apostoli et Filippenses. Amen.
Verbes, gaudete in domino, semper et domnique, dico gaudete. Modestia vesta, nota sit, omnibus hominibus, dominus propre est. Nici solicitis sitis, sed in omni oratione et obsecratione, cum gratiarum actione, petitiones vestinotes canta habud eum. Et pax Dei qui superat omnem sensum, custodiat corda vesta, et intelligentias vestras, in Christo Iesu Domino nostro. Fins et des homines super cherubim, excita potentiam tuam et veni, fili gestis salintende, fili lucis virotofem Iosef. Alleluia, alleluia. Excita Domine potentiam tuam et veni, ut salvos facias nos, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sequentia sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, miseron Judei, ab Hierosolimis, sacerdotes Levitas ad Ioannem, ut interrogaret eum, tu qui es? Et confessus est, et non negavit, et confessus est, quia non sum ego Christus. Et interrogavirent eum, quid ergo? Elias est tu, et dixit, non sum, propheta est tu, et respondit non. Dixerunt ergo ei, vises, ut responsum de musis, qui miserunt nos, qui dicis de te ipso, ait, ego vox clamantes in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Et qui missi furans, erant ex fariseis, et interrogabilant eam, et dixerunt ei, quid ergo baptizas, si tu non es Christus, nec Elias, nec propheta? Respondet Iesu Ioannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestum stetit, quem von nescitis. Ipsi est qui post me venturus est, qui ante me factus est, plus ego non sum dignus, ut solvam eius corrigiam calciamenti. Hec in Betania facta sunt in Jordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Je vais vous dire quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudete. Gaudete, c'est le mot qui est le premier mot de la messe, donc le premier mot de l'introvite. Donc les messes sont nommées à partir du premier mot de leur introvite.
Donc il y a deux dimanches dans l'année qui sont en rose, si on peut, sinon c'est en violet. C'est le dimanche gore d'été et en carême, c'est le dimanche létaré. Avec le même but, on est mi-chemin. Le rose, c'est une couleur plus gentille, à soi. On parle de la vie en rose, donc c'est oui. Donc c'est pour me, c'est symbolique, c'est pour mon, pour prendre du souffle dans les efforts qu'on fait de pénitence, de prière, d'exercice spirituel, de piété en préparation de Noël. Demain, de la féerie, ce sont des féeries qui augmentent en classe, ça veut dire qu'ils ne permettent pas qu'elles soient supplantées par des fêtes de saints, donc deuxième classe. Pour bouger, pour arrêter une fête, une féerie de deuxième classe, il faut une fête de deuxième classe. Donc ce sera seulement par la fête de l'apôtre qui est deuxième classe le jeudi, Saint Thomas. Alors, donc, lundi de la féerie, il n'y a pas de mémoire de saint. Mardi de la féerie, mercredi des quatre temps. Mercredi des quatre temps, donc, c'est, il y a un formulaire propre de la messe, mais c'est permis de prendre la messe dite dorée, donc, qui est la messe de la Sainte Vierge Marie. Mais c'est des dévotions de deuxième classe qui est faite, vous comprenez pourquoi, parce que l'avant est éminemment marial. La Sainte Vierge est hautement enceinte, elle va dans quelques jours à Noël. Mercredi, c'est le 20, donc dans 5 jours, elle va mettre au monde un enfant, n'est-ce pas, divin, qu'on attend tous. Donc, Marie est en ce moment le sanctuaire, l'espoir du monde. Donc, il faut bien la mettre en avant, surtout qu'elle a l'office de nous aider et de donner des grâces, médiatrice de toutes les grâces. Donc, si l'on ne met que de l'avant, on augmente sa dévotion à la Sainte Vierge Marie. À la limite, c'est la période la plus importante, mariale, plus que le mois de mai, plus que le mois d'octobre, puisque l'Avent, elle fait son office vraiment pourquoi elle a été créée. Créée, c'est pour engendrer, être la mère de Dieu. Elle est mère de Dieu déjà depuis quelques mois, mais ça devient vraiment visible. Une femme hautement enceinte, déjà assez visible, qu'elle porte un enfant. Elle est donc le sanctuaire. Joseph a certainement adoré Jésus dans son sein, de son épouse. Et Marie elle-même, pour commencer encore plus, bien sûr, elle a adoré Jésus parce qu'elle savait, ils savaient tous les deux qu'il était Dieu. C'est annoncé par l'ange Gabriel. Voilà une messe qui est nommée dorée parce qu'elle est une renommée pour que les intentions que les personnes donnent, les fidèles qui assistent, les intentions sont attribuées, ça veut dire exaucées. Tellement de grâces qui sont données par la Sainte Vierge Marie. Jeudi, c'est comme j'avais dit, Saint Thomas, apôtre, deuxième place. Il est patron des Indes parce qu'il a, pour rattraper sa lâcheté, n'est-ce pas, sa infidélité, pour avoir douté de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il voulait mettre ses mains dans les plaies. Il a réparé en travaillant plus fort que les autres. Il est allé jusqu'en Inde et même jusqu'en Chine et Japon, il paraît. Donc, en tout cas, il est patron des Indes. Et c'est vrai qu'avant le concile, il y avait 20 Indes de millions d'Indiens catholiques au sud des Indes, dans la région du Tamoul, ou Tamil. J'avais au séminaire un confrère qui était de cette région-là. Ouais. Il était très sympathique, je l'aimais beaucoup, on était amis, quoi, c'était très bien. Vendredi des quatre temps,
Et samedi aussi les quatre temps. Donc c'est les quatre temps de l'hiver. Comme vous savez, au début de chaque un des quatre temps, les quatre saisons, il y a les quatre temps, ça veut dire liturgique, trois jours où on a encore des journées de pénitence, de prière, d'exercice spirituel, de recueillement, d'examen de conscience, de confession, de lecture spirituelle, de tous les exercices spirituels renforcés pour justement demander les grâces pour la saison à venir, l'hiver. Les grâces naturelles, par exemple en automne ou en printemps, c'est pour faire réussir les récoltes. Maintenant, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est aussi surtout pour le niveau surnaturel, pour demander toutes les grâces, que l'Église puisse prospérer et s'épanouir. Alors, voilà, on a besoin de cela, n'est-ce pas? Plus que jamais. Et dimanche prochain, c'est la vigile de Noël. La vigile de Noël. Il ne faut pas oublier que le 23 décembre, c'est un des quatre jours de jeûne et d'abstinence obligatoire, imposé par le dernier pape qui a traité de la matière, le pape Pie XII. Donc, c'est un jour de jeûne, ça veut dire un repas par jour, uniquement, vous n'êtes pas obligé de manger, hein, mais maximum un repas par jour et une petite collation le matin et le soir. Si vous ne supportez pas, si c'est pour éviter l'acide de l'estomac, parce qu'il est habitué de manger le matin et le soir, probablement. Donc on a permission de manger une petite collation, mais c'est un repas en entier par jour, au maximum. Et l'abstinence, donc c'est à partir de 21 ans jusqu'à 60 ans, pour tout baptiser. Et l'abstinence, le même jour, n'est-ce pas? C'est un jour d'abstinence. C'est l'abstinence de viande et de jus de viande à partir de 7 ans pour toute la vie, sauf contre-indication du docteur. Donc des œufs et de la graisse, donc le beurre aussi animal est permis. Vigile de Noël. Oui, ça tombe passé un dimanche. La vigile de Noël a priorité parce que c'est de première classe. Et ce même dimanche, à minuit, bien sûr, enfin, à minuit, bascule vers le 25, c'est bien sûr Noël. Donc, il y aura trois messes à minuit, le matin et le soir. Donc, il y a trois messes. La messe de l'aurore, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Le prêtre est permis de célébrer trois messes. Voilà, chers fidèles, la dernière semaine de préparation à Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, pour continuer un petit peu notre explication, c'est que j'avais dit que Gaudete, c'est mi-chemin, mais ce n'est pas vraiment mi-chemin, parce qu'il y a encore une semaine, mais c'est parce que justement, la vigile tombe un dimanche. C'est par la disposition c'est à cause de normalement il y a parce qu'on a ça donc le quatrième dimanche d'avant on n'aura pas. Voilà. Donc, normalement, il y a un quatrième dimanche, si c'est possible, de l'avant, et il saute cette année-ci.
parce que le dimanche, c'est justement la vigile. Donc ça dépend un petit peu de la disposition des dimanches, parce qu'une nouvelle tombe sur une date et pas sur un jour de semaine comme la Pâque. La Pâque tombe toujours un dimanche, et la Pentecôte aussi. Mais Noël, pas. Ça tombe le 25 décembre, ça peut être un des 7 jours de la semaine. Voilà, chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous propose Saint Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un exemple à étudier, à imiter, à prier, à invoquer, pour nous préparer la venue de Jésus-Christ, comme il a fait il y a 2000 ans, en préparant le peuple élu. Élu pourquoi ? Justement pour ça, pour engendrer le Messie et pour l'accueillir de plein cœur et d'accepter sa mission extraordinaire, c'est-à-dire la divinisation de l'homme, le pauvre serveur, n'est-ce pas, créature, par bonté de Dieu, invité à s'élever jusqu'à lui-même, n'est-ce pas, d'entrer dans sa maison, dans sa famille, n'est-ce pas, comme vous savez. Et voilà. Mais le travail qu'il faut faire avec Saint Jean-Baptiste, c'est de défaire du contraire. Parce que deux contraires ne peuvent pas se trouver ensemble dans le même sujet, en même temps et sur le même aspect. C'est le péché. Le péché, c'est le péché empêche, hein, justement, cette invitation de Dieu, cette but, le pourquoi, la raison d'être, pourquoi nous sommes ici. Il faut donc absolument l'atteindre. Alors, donc, voilà, il faut se défaire du péché, c'est le grand travail, et tout ce qui est autour du péché, tout ce qui cause le péché, tout ce qui est à la suite du péché, il faut encore l'expier, n'est-ce pas ? Ça s'appelle expier. Le péché dans le passé, regretter, expier. Le péché dans le présent, l'éviter, n'est-ce pas ? Et le péché dans l'avenir, justement, prier pour qu'on ne tombe pas dans la tentation et qu'on atteint le plus important, c'est la persévérance finale. C'est l'unique chose qui est le plus important de tout. Si on vous demande quelle est la chose la plus importante de tout, eh bien, c'est l'état de grâce, parce que si on a le ciel, on a tout, si on n'a pas le ciel, on n'a rien, finalement. Dans l'éternité, ici, on a peut-être beaucoup de choses. On est riche comme Rothschild, ou etc. Ça me répugne même de dire le nom de ces ultra-riches qui abusent de leur argent. Mais après, il y a l'éternité, et la vie passe vite. Et même jouir des choses de la vie, c'est un don de Dieu. Vous savez ? Parce qu'une conscience qui donne des remords, n'est-ce pas, n'est pas agréable à vivre. Même si on a toute la créature à disposition par l'argent et le pouvoir. Il faut encore pouvoir en jouir convenablement. Voilà, donc ils sont plutôt à plaindre, ces gens, même s'ils sont très riches. Et ce n'est pas le but de notre vie, n'est-ce pas ? C'est plutôt le côté animal, parce que l'argent, c'est plutôt pour servir pour le corps, tout ce qui est du corps. Et le corps, où est-ce qu'il va aboutir ? Dans le cimetière. Il ne faut pas trop s'en occuper, parce que c'est quelque chose qui va partir, qui va pourrir. Et s'il va ressusciter, c'est parce que l'âme est en ordre. Donc il faut mettre son âme en ordre. Et le corps, ça viendra avec l'âme. Là où est l'âme, le corps sera aussi. L'âme est au ciel, le corps sera au ciel. L'âme est en enfer, le corps sera en enfer. Donc si vous avez aimé votre corps, soignez votre âme. Parce que votre corps va suivre votre âme. Voilà. C'est logique, n'est-ce pas ? C'est clair. C'est sûr. On a prouvé dimanche dernier la divinité en Jésus-Christ. Et maintenant encore, n'est-ce pas ? Saint Jean-Baptiste, il donne un exemple de la mortification la plus importante, c'est celle de l'âme. Bien sûr, celle du corps est nécessaire. Mais nous sommes plus âme que corps, donc la mortification de l'âme est plus importante. À quoi ça sert de jeûner et de se mortifier comme un pharisien, n'est-ce pas ? Et ensuite, avoir l'orgueil et le mépris des autres dans le cœur.
ça ne sert à rien. Donc il faut les deux, mortifier le corps, mais surtout l'âme. Et l'âme se mortifie en commençant par frustrant, arrêtant, diminuant, je dirais presque extirpant, mais ce sera après la mort, espèce d'extirpation de la dernière racine, de l'orgueil, voilà, la concupiscence de l'esprit. Et saint Jean-Baptiste sonne un exemple extraordinaire d'humilité. Parce qu'on lui demande, bien sûr, ça c'est leur devoir, on ne peut pas leur reprocher que les prêtres et les théologiens, donc les pharisiens de l'époque, qui sont responsables de la religion, ils vont voir si cet homme qui commence à prêcher comme ça, de motoproprio, n'est-ce pas, de propre impulse, apparemment, n'est-ce pas, il n'est pas envoyé par le grand prêtre de Jérusalem, il n'a pas de mission de l'Église, donc il commence comme ça à prêcher. Un homme qu'on ne connaît pas, de Galilée, n'est-ce pas, le fils, de, bien sûr, d'un prêtre. Mais lui, il n'est pas forcément... Et il invente, façon de parler, un nouveau rythme. D'abord, qu'il vit saintement, d'accord, ça c'est bon. Enfin, c'est bon, vivre saintement. Et il vit très saintement. Et il va dans le désert pour prier, pour être loin du monde. Il s'habille très rudimentairement avec des peaux de chameau et ça gratte la peau, n'est-ce pas? C'est pas agréable et c'est pas beau non plus. C'est vraiment primitif, on dirait un troglodyte, n'est-ce pas? Et ensuite, sa coiffure ne sera pas très bonne non plus, il va pas chez les coiffeurs les plus riches de Jérusalem, je suppose. Et ensuite, qu'est-ce qu'il mange? Bien, ce qui se présente dans le désert, eh bien, des sauterelles et du miel sauvage. Ce ne serait pas l'abondance. Et ensuite, voilà, il prie beaucoup, il prie et il médite les Écritures saintes qu'il connaît déjà par cœur. Il ne va pas amener des rouleaux, n'est-ce pas? Il n'avait pas des livres, il ne va pas amener la bibliothèque des heures. Mais tout juif était instruit, bien instruit de sa jeunesse dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament. Donc il avait beaucoup connu par cœur. On parle d'une mémoire orientale. Je connais des personnes, le père d'un prêtre, confrère à l'époque, quand j'étais en Pologne, et qui disait que son père connaissait l'Ancien Testament par cœur. C'est 46 livres, de A à Z. Allez-y, bon, c'est bien d'avoir. Alors la mémoire est purifiée, vous avez dans votre mémoire la parole de Dieu. Ça fait du bien, la mémoire, d'être le siège, n'est-ce pas, un tabernacle de la parole de Dieu. Bon, c'est magnifique, allez-y, je vous encourage. Et une vie sainte. Mais alors on va lui poser la question, c'est tout à fait normal, tout à fait normal. C'est leur devoir, c'est même bien, de veiller s'il n'y a pas une nouvelle secte qui commence là. Donc ils vont vérifier. Ils disent, qui es-tu? Qui êtes-vous? Enfin, tout en latin, ça peut être vous aussi. Hein. Ce n'est pas forcément tutoyé. Ce n'est pas comme en français. Tout cuisesse, vous êtes qui? Et alors, directement, vous voyez l'humilité de saint Jean-Baptiste. Il ne veut absolument pas qu'on croie plus de lui ce qu'il est en réalité. Ça, c'est magnifique. L'orgueilleux a l'impulse au contraire. Il veut toujours se présenter meilleur qu'il est en réalité. Et de lui donner soi-même plus de titres qu'il a droit. Alors directement, il prévient déjà leur pensée. Il dit, non, je ne suis pas le Christ. Non sum ego Christus, je ne suis pas le Messie. Alors ils disent, alors confessus est, c'est non égal, et confessus est. C'est trois fois. C'est incroyable, cet réflexe d'humilité, qui ne pense surtout pas plus que moi que je s'en suis digne, que ce qui est la réalité. Alors ils disent, mais alors, quoi alors? Vous êtes, alors, si vous n'êtes pas le Messie, vous êtes Élie. Parce qu'il y avait une prophétie, effectivement, qu'Élie allait retourner avant la venue du Messie. Et Jésus va lui dire, oui, c'est lui, Élie, mais ce n'est pas lui, Élie en personne,
Et là, ce texte, cette prophétie, il ne faut pas l'entendre que Élie va revenir en personne parce qu'il est allé au ciel. Il n'est pas mort, Élie. Saint Élie n'est pas mort. Donc c'est un des deux personnages de l'Ancien Testament qui ne sont pas morts, mortes, féminin, je crois qu'ils sont des hommes. Enfin, les deux personnes qui ne sont pas mortes, mais qui sont allées au ciel de leur vivant. Et ils vont retourner à la fin des temps pour contrecarrer l'Antéchrist. Saint Élie va, selon la prophétie de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, convertir les Juifs, la multitude des Juifs. Voilà. Mais en ce moment, ils sont dans le ciel. Et il va retourner aussi avant la venue du Christ, la première fois et aussi la deuxième fois. On peut dire à la fin des temps. Et maintenant encore, quand après la première venue. Mais cette première venue de Élie, ce n'est pas en personne. C'est quelqu'un qui va venir dans son esprit, qui va avoir la même spiritualité qu'Élie. C'est ça l'explication. Et Jésus dit oui, Élie c'est lui, mais c'est en esprit. Donc ils se trompent les pharisiens. Élie ne va pas venir en personne, mais dans l'esprit. Et c'est Jean-Baptiste. Mais il répond, non, je ne suis pas Élie, ça veut dire en personne. Mais son humilité ne va l'interdit de dire ce qu'il est vraiment, de dire oui, mais je suis allé en esprit. Il ne va pas le dire encore. C'est de parler de soi-même, n'est-ce pas, ce qui n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas absolument nécessaire, il ne dit pas. C'est encore un réflexe de l'humilité. Que les choses qu'on est vraiment, de même pas les dire si ce n'est pas nécessaire. C'est magnifique. Hein? Alors nous, on dit oui, mais c'est la vérité, je montre mes titres, c'est quand même vrai. Moi, je suis chevalier, je suis directeur, j'ai un titre d'études, j'ai un docteur master, etc. J'ai des décorations, j'ai ceci et cela, les gens d'honneur, etc. Et on montre les médailles, etc. On est fier de ça. Eh bien, non, Saint Jean. Pas ici pour parader ses propres vertus, mais on est ici pour montrer la gloire de Dieu. Et on va tout faire pour aller au ciel, au maximum. Et tout le reste, c'est passager. C'est du bling-bling, ça vaut rien par rapport à... Paul a dit même dire c'est du stercora, c'est du fumier par rapport à ce qui nous attend. Parce que c'est divin, ce qui nous attend. Et tout ce qui est sur terre, c'est comme du fumier. Que c'est l'Écriture sainte qui dit ça, n'est-ce pas? Comme du fumier. Hein. On ne s'occupe pas trop du fumier, n'est-ce pas? Le fumier est utile, mais ce n'est pas plus que du fumier. Hein. Donc, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est ça que ça veut dire. Alors, non, je ne suis pas. Vous êtes le prophète. Parce que notre prophétie dit qu'il y a un grand prophète qui va venir. Et bien sûr, c'est celui qui va venir dans l'esprit d'Élie. Mais il pense que c'était encore une autre personne que Élie. Il pense que Élie va venir en personne et qu'on aura encore un prophète à venir avant la venue de Dieu. Et il pense que c'est le grand prophète, c'est Jérémie qui va revenir. Et Saint Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas le grand prophète non plus, n'est-ce pas? Mais le prophète qu'il pense. Mais c'est vrai qu'il est le prophète qui va venir avant Jésus-Christ. Il n'est pas Jérémie, n'est-ce pas, le prophète Jérémie. Alors, il dit non, non, non. Alors, qui êtes-vous pour qu'on puisse répondre à ceux qui nous envoient? Qu'est-ce que vous dites de vous-même? Voilà. Ils ont compris qu'il n'a pas parlé de soi-même, trop parlé de soi-même, pour se mettre en avant. Alors, il le pousse. Et alors, il répond, parce qu'effectivement, c'est l'autorité officielle, il accepte l'autorité de l'Église de l'époque, donc qui était vraiment les vrais prêtres de Yahvé, c'est voulu par Dieu, n'est-ce pas? La religion israélite, juive, était voulue par Dieu, organisée par Dieu. C'est une révélation donnée à Moïse. C'est seulement après, quand Jésus a fait un Nouveau Testament et aboli l'Ancien, que c'est plus valide. Mais à l'époque, c'est encore valide. Donc il les répond, il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Et c'est une citation de l'Écriture sainte.
Il ne donne même pas la référence parce que c'est connu, ce sont des docteurs de la loi, donc ils se connaissent. Il n'a même pas besoin de donner la référence. Je suis la voix qui crie dans le désert. Rectifier les voies du Seigneur. La voie du Seigneur, c'est entrer dans votre âme. Rectifier, ça veut dire mettez tout droit, enlever les péchés et développer les vertus. Et rectifier ce qui est courbé, n'est-ce pas? La voie du Seigneur, c'est spirituel. La voie du Seigneur, c'est qu'il descend sur terre pour venir habiter en votre âme. C'est ça la voie du Seigneur. Donc, comme dit le prophète Isaïe, mais il ne dit pas quel chapitre, etc. Donc, ça veut dire qu'il a une mission divine. Donc, c'est un ordre. Et la preuve, c'est qu'il a une vie sainte, parce que c'est une marque d'un faux prophète. S'il a un profit matériel, s'il a de l'argent qui entre, n'est-ce pas? Il y a des femmes, n'est-ce pas, qui sont des femmes autour de lui, etc., etc., etc. Il y a l'honneur, la carrière, l'estime. Non, il n'y a aucune de ces trois concupiscences, parce que ça, c'est souvent le signe d'un faux prophète, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de spécial, et il y a pas mal d'argent qui entre, et il a des relations faciles avec tout le monde, n'est-ce pas? Et il a un certain honneur, il se donne des titres, etc. Alors, c'est souvent un signe que ce n'est pas de Dieu. Il cherche soi-même, comme le diable, qui cherche soi-même. C'est plutôt un enfant du diable, n'est-ce pas, qui trompe les gens et qui cherche à se faire une vie ici magnifique, aisée, alors, voilà, de profiter de la vie comme tous les pécheurs. Mais lui, justement, il abuse de la religion, c'est tout. Alors, non. Alors, il voit qu'il a une vie sainte. Et enfin, effectivement, ce qu'il fait, ça correspond exactement à la prophétie d'Isaïe. Et cette prophétie d'Isaïe, c'est la prophétie qui donne justement la préparation de la venue du Messie, qu'ils attendent tous, parce que le peuple élu est fait pour le Messie, pour l'engendrer et régner avec lui. Et il règne avec lui. Les 12 apôtres qui règnent avec lui dans le ciel sont des Juifs. Une sainte Vierge qui est reine est juive, Saint-Joseph est juif. Donc, il règne avec lui, mais le problème, c'est que la plupart ne sont pas convertis. Et c'est ça le grand drame du peuple élu de l'Ancien Testament. Et ici, voilà. Et ça ne leur suffit pas, quoiqu'ils savent qu'il a raison, parce qu'ils connaissent l'Écriture sainte. Et alors, ils continuent à l'interroger. Alors, ils le prennent. Pourquoi vous baptisez? Pourquoi vous inventez, commencez un nouveau rite? Pourquoi vous baptisez si vous n'êtes pas le Christ, vous n'êtes pas Élie et vous n'êtes pas le prophète? Alors, Saint Jean, il dit, eh bien, moi je baptise seulement dans l'eau. Ce n'est qu'un sacrement, ce n'est pas un sacrement. Dans l'eau. Mais au milieu de vous est celui que vous ne connaissez pas. Et notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, en ce moment-là, selon les pères d'Église, il était dans le désert aussi. 40 jours dans le désert, c'était après son baptême. Il est allé 40 jours dans le désert pour se préparer, donner l'exemple quand on a une mission, de se préparer par une retraite, une mortification, hier, voilà. L'exemple de la mortification aussi, n'est-ce pas? Quoiqu'il, lui, n'en avait pas besoin, mais il donne l'exemple. Vous ne le connaissez pas. C'est lui. Donc, Saint Jean, au lieu d'encore parler de lui-même, il parle encore de Jésus-Christ, de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui doit venir après moi. Donc, c'est encore sa mission. C'est lui qui prépare la venue. Qui a été fait avant moi. Ça veut dire il n'était pas né ou conçu avant Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est conçu avant Jésus. Mais là, il indique qu'il réfère à sa vie de fils de Dieu.
le Fils de Dieu. Je suis fait de dire, je suis engendré par mon Père de toute éternité, dit Jésus. Celui qui, parmi vous, n'est-ce pas, que vous ne connaissez pas, il était avant moi. Je ne suis pas digne de défaire sur la selle de ses sandales. Et c'était un travail d'esclave. Donc lui, n'est-ce pas, qui se présente, qui vit comme un saint, qui a une mission divine, qui a été prophétisé par saint Isaïe, et Jésus va dire, c'est le plus grand saint, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. C'est le plus grand saint. Il n'y a pas un homme plus saint qui est sorti du sein d'une femme, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Lui qui est quand même quelqu'un, il a de Dieu, n'est-ce pas, une vraie noblesse, une vraie, c'est de l'âme, n'est-ce pas. Eh bien, il dit, je ne suis pas digne de faire un travail d'esclave pour cette personne qui est parmi vous, que vous ne connaissez pas. Et ça montre la dignité, donc la divinité de Jésus-Christ. Encore Saint Jean qui ne parle pas de soi-même, et qui, vous voyez, cette répugnance de parler de soi-même, il n'a jamais dit quelque part, oui, mais je suis celui qui vient dans l'esprit de Saint Élie. Non, il ne dit ça nulle part. Ils peuvent le deviner, n'est-ce pas? Ce sont par ailleurs quand même des théologiens, des connaisseurs de l'Écriture sainte, des spécialistes. Alors, qui se débrouillent. Moi, je ne vais pas me vanter moi-même, enfin, même si j'en ai droit de parler de moi-même de cette façon, je ne vais quand même pas le faire par humilité. Et ce n'est pas nécessaire. Donc, il a donné assez de signes et d'explications qu'il a une mission divine. Ce qu'il fait, c'est bien, et il doit le faire, et Dieu le veut. Et on voit aussi les fruits. On connaît, Jésus-Christ va dire, on connaît les vrais prophètes à leurs fruits. Eh bien, le peuple se convertit. Le peuple vient en masse se baptiser, ils confessent leurs péchés, et les gens se convertissent. C'est des fruits merveilleux. Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Ils devraient le savoir, les pharisiens. Mais justement, là, ça tourne mal. Parce que jusqu'à présent, ils font leur devoir. Mais là, ça tourne mal parce que Saint Jean, il va prêcher à tout le monde, même à l'autorité. Il va dire aux pharisiens et aux prêtres qu'ils doivent aussi se convertir. Et surtout eux, parce que ce sont les premiers qui doivent accepter et accueillir le Messie et le reconnaître. Donc il va arrêter de, justement d'avoir des relations avec des femmes, n'est-ce pas? De chercher l'argent pour le temple, oui, mais il y a une grande partie qui passe dans leur poche, n'est-ce pas? Et de chercher l'honneur, voilà, l'honneur. Ce sont eux aussi qui se comportent comme des faux prophètes, et des faux prêtres, des faux clergés, n'est-ce pas, des gens du monde, qui cherchent leur honneur, l'argent et leurs aises. Voilà, la triple concupiscence, la définition du pécheur, c'est ce que cherche la franc-maçonnerie et la cabale, c'est ça? Ils ne sont pas mieux qu'eux, n'est-ce pas? Le principe est là, satisfaire sa triple concupiscence. Et là, ils ne veulent pas se convertir, parce qu'ils sont trop aisés, ils sont trop riches, ils ont trop d'honneur. Jésus va dire, pour un riche, c'est plus difficile pour entrer dans le ciel que d'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, n'est-ce pas? Malheur aux riches. La richesse en soi, c'est bon, n'est-ce pas? C'est le don de Dieu, n'est-ce pas? Toutes les créatures, la richesse vous donne l'occasion de plus jouir toutes les créatures de Dieu. Mais les créatures de Dieu sont faites uniquement pour aller au ciel. Pas pour vous-même, pour jouir comme ça, pour vous-même. Non. Notre voie, c'est le ciel. Et tout est à notre disposition pour nous aider à aller au ciel. Et on va user des choses dans la mesure, autant que pour autant que ça nous aide d'aller au ciel. Et pas plus. Et pas plus. Et là commence le péché. Ils vont utiliser pour eux-mêmes, pour se satisfaire, pour le plaisir. Ils ne pensent plus à Dieu, n'est-ce pas, pour faire plaisir à Dieu. Ils vont utiliser la religion pour eux-mêmes. Pour satisfaire eux-mêmes, abuser. Voilà. Maintenant, on parle de gourou, n'est-ce pas? C'est ça le gourou. Celui qui attire les gens envers soi-même, pour son plaisir, pour son honneur, pour son argent, pour son, etc. Alors, ils veulent. Et là, ça tourne mal. Ils ne vont pas accepter Saint-Jean, ils vont même le haïr. Et il va leur dire, nœud de vipère. La hache est à la racine de l'arbre, déjà,
prêt pour être coupé, n'est-ce pas? Pour couper l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits, des bonnes œuvres, sera coupé et jeté dans le feu. C'est une référence à l'enfer, purgatoire et l'enfer. Il dit aux pharisiens, ne de vipère. C'est pas vraiment flatter les gens, n'est-ce pas? C'est pas très woke, comme on dit. Ouais, il n'est pas sévère, le saint Jean? Non, par le nom de Dieu, c'est le plus grand saint. C'est exactement ce que Dieu dirait de soi-même. Lui-même. Voilà, chers fidèles, cette humilité, ce personnage de saint Jean, imitons-le. Humilité, humilité, humilité. Parce que l'orgueil, c'est la racine de tout mal. Avec la concupiscence de l'argent, l'orgueil, ce sont les deux racines de tout mal. Tout mal. Chronologiquement, le mal commence bien sûr avec Adam et Ève, le péché originel, mais le péché originel, c'est un foyer, n'est-ce pas, du péché. Et dans ce foyer, les plus racines, les plus profondes, n'est-ce pas, c'est la concupiscence des richesses et l'orgueil. Concupiscence d'esprit et concupiscence de la chair, enfin du corps. Nous avons corps et âme, eh bien, tous les deux sont tirés vers le mal. L'orgueil, ça va trop haut, et l'argent, ça va trop bas. Ça s'occupe pour des choses ici bas, au lieu de s'élever son âme, son cœur, haut le cœur, sur son corda. Voilà, chers fidèles, saint Jean-Baptiste, humilité, 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 jour et nuit, tout le temps, penser, mais ce n'est pas que tu fais des complexes, hein. On cherche la vérité. La vérité sur soi-même. Et même la vérité qu'on connaît, on ne va pas se vanter de cette vérité. On va seulement dire ce qui est nécessaire. On ne parle pas de ses qualités, sauf s'il y a un but, une utilité. Voilà donc cette Saint Jean Baptiste, n'est-ce pas, qui donne un exemple extraordinaire de pénitence corporelle. Vous savez ce que c'est, un désert là-bas, le Proche-Orient. C'est très pénible, n'est-ce pas? Enfin, si on ne connaît pas trop de désert, c'est plutôt le contraire. C'est trop. On est trop. Il y a beaucoup de pluie, mais vous pouvez vous imaginer que la pénitence de saint Jean-Baptiste dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel qu'il trouve dans le désert. Il ne va pas mettre à cultiver, il ne va même pas un potager. Il va prendre ce que la Providence lui donne. Et voilà. Donc, un exemple extraordinaire de pénitence corporelle. Mais, vous voyez, l'Église met quand même l'accent sur la pénitence spirituelle, l'âme. Imitons, n'est-ce pas, saint Jean-Baptiste, pour être bien préparé, n'est-ce pas, ça c'est le mal, éliminer le mal pour développer en nous le bien, n'est-ce pas, bien sûr les vertus, et comme ça on est prêt pour accepter au maximum notre Jésus-Christ, dont on a besoin pour aller au ciel. Et même pour faire cette pénitence, on a déjà besoin de lui. On va lui prier, n'est-ce pas, lui donner la force, parce que saint Jean aussi, c'est lui qui fait l'effort, mais il a quand même une grâce. Donc, c'est une collaboration. Donc, faire l'effort, mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut prier, demander la grâce pour faire ce qu'on va faire. La préparation, n'est-ce pas, qui vaut la peine, qui est notre but, notre bonheur éternel. La seule chose qui est vraiment importante sur Terre, tout le reste, c'est passager, n'est-ce pas, et ça ne satisfait même pas le plus profond de notre âme. Il reste un vide. Si on a tout ce qu'on peut acheter avec l'argent, il reste encore un vide. On ne peut pas combler le plus profond de notre âme avec des choses matérielles. Il reste un vide. Et c'est celui qui peut combler, c'est Dieu. Dieu est capable d'entrer au plus profond de notre âme et le combler de son bonheur divin. Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, de bien... C'est parce qu'elle donne l'exemple, n'est-ce pas, Elle a vécu l'humilité plus qu'une autre. Demandons à Sainte Vierge Marie et Saint Jean Baptiste de les imiter dans leur vertu,
pour bien être digne de recevoir notre Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Testi captivitate mia cor, remesis iniquitate disturbe.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sosum cada. Habemus Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper vive gratias avere. Domine sancte Patris omnipotens et omne Deus. Vicum unigenitum filio tuo spiritus sanctum. Unus est Deus, unus est Dominus. Non in unio singularitate persone. Sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spiritu sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione fede sapientiae credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac serafim, qui non cessant clamare quotidien, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Regis Vocere et Terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis. Benedictus que veni, in nomine Domini, Hosanna in
maintenant que le pécateur est venu. Amen. Oremus, receptis santalibus moniti, et divina institution informatia oremus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Et l'omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper obiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei. Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, dona nobis pace.
Constant Domini Potenti, Maître Marie Sainte Virginie, Maître Michel Archangel, Maître Jean Baptiste, Sanctus Christus, Esprit de Dieu, Oui, vous sentez ce que je suis que j'ai dans une verbe de ton père. Ne vous fais pas, ne vous fais pas, ne vous fais pas. Il est au pécheur d'Antonin, mais il y a le Saint-Père de Jésus. Bientôt, il y a l'Archangel. Bientôt, il y a le Baptiste. Sanctus Christus, Esprit de Dieu, en la Sainte Sainte, pour voir le premier de nous, de nous. Digite possionibus confortamini, et nullite timere, et cedius nos se veniet et salavit nos.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Imploramus omine clementiam tuam, ut ec divina subsidiat vitiis expiatos, ad festa ventura nos prepara, per domine nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivia et dona trinitate spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ide missa est. Deo gratias. Pater et Filius, Spiritus et Sanctus. Et bien,
Domine salve facrem nostrum Filippo. Et exaudi nos in die, quae vocabelimus te. Domine exaudi ratione mea. Et clamor meus a te venia. Dominus subobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus, cui omnis apportes divinitas famulatum. Na famulo tuo, regis nostro Filippo, prosper in solitatis et pectum. In quo sempre te timiat, tibi piuce per cede contenda. Per Christum nomine nostrum. Amen. Et divinum auxilium nos sempre nobis. Amen. Rorate, scelte super, et nubes cum auxiusum. Orate, scelte super, et ne iras canis Domine, ne ultra me mineris iniquitatis. Ecce civita sancti, facta est deserta, sio deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tuae, et gloriae tuae, ubi ora verunt te, patres nostri. Ora te, scelite super, et nubes tuam justum. Peccavimus et factis homos, tamquam immundus nos, et cecidimus, quasi folium universi. Et iniquitates nostre, quasi ventus abstulerunt nos. Abscondisti faciem tua manobis. Et alesisti nos, in manu iniquitatis nostre. Ora te, scelite super, et nubes tuum auxiusum. Vide, Domine, afflictione populi tui, et mihi te, que misurus est. Emite agnum dominatorem tere, de peta deserte ad montem filii Sion. Ut offerat ipse jugum captivitatis nostre. Orate, scelite super, et nubes fulgam crucis.
Thank you.